Assalamu alaikum, Bassim. Je dois aller voir Al-Hassan. Il m'attend. Assalamu alaikum, Rebecca. Walaikum assalam, Bassim. Cette journée est d'un ennui. Ne sais-tu pas que c'est le jour de mon initiation? Décidément, on initie n'importe qui à présent. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, calme-toi. Je sais bien que c'est le grand jour de Bassim. Wafakakal. Alors, comment te sens-tu en ce jour important? C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise, serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Bassim, tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent. Wadaan. Et merci, Al-Hassan. J'aimerais jeter un coup d'œil à la grotte, rien qu'un instant. Bonjour, Tabid. Dis-moi, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? As-tu entendu parler d'Iltani? C'est l'une de nos fondatrices. Elle a réussi à tuer Alexandre le Grand à l'aide d'un ingénieux poison. J'ai tenté de le créer à nouveau à l'aide de documents historiques. Grâce à Iltani, j'ai appris qu'aucun ennemi n'était hors de portée, quelle que soit l'étendue de sa puissance. Merci pour cette leçon. Wafakakalla. J'aimerais jeter un coup d'œil à la grotte, rien qu'un instant, pour voir ce qui s'y trouve. Moi, je sais une chose à propos de la cérémonie de Jean-Louis. C'est vraiment un grand jour pour les objets qu'elle fait. C'est un honneur de recevoir vos invités. Comment te sens-tu, Bassim? Prêt à faire ce grand saut? Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Fulan, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens,
Ta nouvelle tenue n'attend que toi. Ah, elle te va bien. Viens, il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain ? J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme feu. J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Vassim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Asim Ibn Israq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre ? Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être ? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher ? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Vassim Ibn Ishaq, tu suis à présent la voix de l'aigle. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Bien joué. Avec force. Nour ! Nour ! Ménage-toi, surtout. Conserve tes forces. Il a voyagé léger. Quitté Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené ? L'Ordre.
Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas. PlayStation.